Depuis des temps immémoriaux, les conflits armés ont poussé les peuples en guerre à développer de nouvelles stratégies d'attaque. Les plus grands chercheurs et ingénieurs n'ont eu de cesse d'élaborer de nouvelles armes. Du char à faux durant l'Antiquité, en passant par la bombarde au Moyen-Âge et jusqu'à la création de la fusée V2 pendant la Deuxième Guerre mondiale, le but ultime recherché par les assaillants a toujours été d'affaiblir, voire d'anéantir son ennemi. Par la création de ces nouvelles armes, ou armes secrètes pour certaines, l'effet de surprise était total pour les peuples attaqués. Hormis les pertes humaines énormes, celles-ci instauraient un climat de peur. Ces armes avaient pour but, bien sûr, d'infliger le plus de dégâts possible, que ce soit sur le plan humain que matériel. Mais l'assaillant cherchait aussi à terroriser son adversaire par l'utilisation de ces armes nouvelles. Surpris et déstabilisé, le peuple attaqué était certaines fois vaincu par son ennemi. La torpille humaine fut l'une de ces armes. Conçue par l'armée allemande en 1943, elle fut créée dans un seul but: instaurer un climat de peur sur les mers, déstabiliser la stratégie maritime alliée et bien sûr couler un maximum de navires. La conception de cette torpille humaine reste assez simple. Espace dédié aux pilotes et spartiates, et le système de pilotage rudimentaire. En effet, il s'agissait d'un assemblage de deux torpilles à propulsion électrique. La charge explosive de la torpille supérieure était retirée et remplacée par un poste de pilotage. Seul un marin pouvait y prendre place. Le tableau de bord était réduit au strict minimum. Il comportait une manette pour le démarrage et l'arrêt, un manche à balai pour virer à bâbord ou à tribord, et un levier pour la mise à feu de la torpille. Concernant le pilote, il était assis sous un dôme alimenté en air par un système Dreger, hélas, souvent à l'origine d'empoisonnement à l'oxyde de carbone. Le tableau de bord ne comportait ni radar ni système de navigation complexe, mais le pilote avait pour seule aide ce dôme transparent qui lui permettait de naviguer à vue et donc de pouvoir se diriger sur son objectif de combat. Sous ce dôme d'une hauteur de 50 cm de haut, la vue sur l'horizon était extrêmement limitée. Vous imaginez donc, dans ces conditions, la difficulté du pilote pour pouvoir rechercher et repérer de potentiels navires ennemis. Les conditions de navigation étaient donc extrêmes, et la qualité de vie dans cet habitacle réduit quasi nulle. Il était impossible de pouvoir ouvrir le dôme en mer. L'eau pouvait à tout moment s'engouffrer dans la torpille de navigation, et donc le risque de chavirer était constant. La torpille inférieure gardait bien sûr sa capacité explosive en permanence, ce qui rajoutait une pression supplémentaire au marin. La technique d'attaque concernant la torpille humaine était des plus simples. Le marin devait être au plus près de sa cible, se mettre en position de combat et armer la torpille inférieure. Une fois son objectif atteint, le marin, ou plutôt pilote dirons-nous, devait se dégager au plus vite de la zone d'attaque. Sa proximité avec son objectif pouvait endommager, voire détruire sa torpille de navigation lors de l'explosion. Il lui fallait aussi ne pas se faire repérer par les navires ennemis lors de son désengagement. Imaginez-vous que le marin ne disposait d'aucune capacité de navigation sous-marine et ne pouvait plonger sous l'eau. Il était donc facilement et rapidement repérable. La simplicité de cet engin le rendait extrêmement fragile et pouvait facilement être détruit. Si le dôme transparent était détruit ou endommagé, l'eau pouvait s'engouffrer rapidement dans l'habitacle et causer le naufrage de celui-ci. Sans outil de navigation, le pilote devait retourner à sa base avec pour seule aide sa vue réduite par la noirceur de la nuit. Et bien sûr, à la moindre panne, il ne restait qu'au pilote à abandonner son engin et à regagner le rivage à la nage. Les premières utilisations de la torpille humaine eurent lieu en 1944. Une attaque conjointe de 30 torpilles fut mise en place, mais cela se solda par un échec. En effet, sur les 30 engins, 17 armèrent leurs torpilles explosives, mais aucune n'atteignirent leur objectif. Le commandant de l'escadrille périt dès le début de l'opération d'une intoxication au CO2. 3 unités furent perdues, et les autres s'échouèrent et furent capturées. Mais malgré cet échec, l'armée allemande plaçait toujours de grands espoirs sur la torpille humaine. Elle fut donc utilisée et des attaques organisées lors du débarquement allié.